poids choisir pour une femme? Grande question qui m'a été posée. Quel poids choisir pour une femme? Eh ben, déjà dans un premier temps, est-ce que cette femme a suivi une formation? Eh ouais, je le dis à chacune de mes vidéos, je suis désolé, mais à un moment donné, faut que ça rentre dans votre tête. Avant d'acheter ce genre d'outils, allez vous former. Ensuite, vous choisirez. Eh ben, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, mais je vais le répéter pour les femmes, parce que ça m'a été posé comme question pour les femmes spécialement. Moi, généralement, pour une femme, lorsqu'elles viennent en formation, je leur donne 8 kilos. Voilà, c'est une bonne charge pour toutes les nanas que j'ai dans mes formations, 8 kilos. Après, il y en a qui ont une meilleure condition physique. On peut passer 10, 12. Quand on débute, c'est des bons poids. Voilà, tout va dépendre de la condition physique de la personne. Mais pour commencer, très honnêtement, 8 kilos, c'est bien. Ça permet de faire tous les mouvements, de s'habituer un petit peu à la gestuelle, de se familiariser avec l'outil. Donc, 8 kilos, c'est bien pour une femme. Je conseille fortement 8 kilos. Ensuite, si vous voulez un modèle de kettlebell, je vous renvoie à une vidéo que j'ai fait précédemment où comment choisir en fait son modèle de kettlebell. Et puis là, vous aurez des adresses pour pouvoir acheter quelque chose de qualité avec des prix raisonnables. Voilà, c'était ma petite vidéo du jour et je vous dis ciao, à bientôt.